Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog 103.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live. Mettons en pause, s'il te plaît. Donc sur The Evil Within, donc sur PC, on est reparti sur ce jeu d'horreur en étant un petit peu de meilleure humeur, ce qui fait que je devrais aller un petit peu mieux. Bah oui, on l'a pas terminé, BG, faut qu'on termine ce jeu. Death Stranding, qui attend la sortie du putain de jeu qui va être Fortnite. Ouh! Suivant! Faut que je me rappelle toutes les touches. Elle est pas morte. Ah, j'ai brûlé avec eux! Ce sera pas long. Continue de me couvrir. 30 secondes, monsieur, faut que je récupère de la vie, ça vous dérange pas? Non mais... J'arrive. Ah zut, ça lance une cinématique. Je vais peut-être plus récupérer les choses. Bon, faut que ça enregistre bien, on s'est fait avoir hier. Bah oui, je sais, c'est bien terrible ça. Ah, ça me plaît. On les connaît pas, c'est des trucs qui givrent. Un petit peu de ressources. Julien, comment ça va? Je m'occupe du piège, toi tu les retiens. Ils sont deux fois plus nombreux. T'as le temps de te plaindre. Ah mais surtout prends ton temps. Ouh j'aime ça. Je me sens toujours extrêmement lent sur ce jeu mais là ça va, je suis pas assez agacé pour que ça soit véritablement gênant. Ah zut. Mais zut, tu vas me laisser en... Je vais crever. Bah ouais je vais crever. Bah ouais je suis mort. Mais zut, ça avait tellement bien commencé. Le personnage qui met 50 ans à faire une action. Ça parle de quoi, Evil Within? Vers la nous et au-delà. Oh, reprends-la. Ok. Voilà, encore une fois, l'exemple parfait du « c'est vachement chiant ». Aïe. Mais vas-y, plante-moi, je te dirai rien. Je sais plus si je l'ai mis. Bon, allez, tuez-moi, c'est bon, j'ai compris. Vers la nous. Tuez-moi, je suis là. Vas-y. Je suis prêt. Merci. Vers la nous. Donc, et au-delà. On arrive dans un monde assez bizarre. Et ça ressemble un petit peu à Resident Evil 4, par exemple. Quant à l'histoire, c'est pas très compréhensible.
Oh là là, mais quand t'es prêt, c'est une horreur. Oh mais il est KO, il est KO. Mais t'es vraiment un personnage ridicule, Sébastien. Tu te cours 3 secondes, t'es crevé. Vers la loose et au-delà. Plus personne pour compter les failles à Starcy. Vous êtes chiants les gars. Ah, ça a pas brûlé l'autre. Mais non, mais sérieux, mais arrête de me choper comme ça dans des animations, c'est ultra chiant. C'est pas sur toi que je voulais l'utiliser, mais c'est pas grave. Coucou. Ah mais... Mais pas 50 ans à faire une action, s'il te plaît, t'es chiant. Ah, c'est insupportable. J'ai essayé d'allumer les cadavres au sol, mais ça prend tellement longtemps de lancer la moindre action. Je vais crever, je vais crever. J'ai raté Marinoux, c'est arrivé ça. Et au-delà. Coucou Marinoux, comment vas-tu? Ah, attendez. Option, j'ai baissé un peu le son parce que j'entends pas les coucous. Oh, ce jeu est tellement mal vu. Je trouve que c'est tellement pas ergonomique. En gros, je peux pas déplacer avec le curseur de la souris, je peux déplacer avec le curseur Q et D. Alors, c'est un choix, hein, mais moi j'aime pas ça. Donc je dirais qu'il est mal fichu. Na. Voilà, ça je préfère. Bah. Ah, les cadavres ont disparu, ok. Je vais pas les retenir bien longtemps. Ce sera pas long. Continue de me couvrir. J'essaie, mais le jeu est chiant. Eh, toi? Ah, ça passe à grand chose en fait. Mais ça a pas allumé l'autre. C'est bon, viens vite. Viens vite qui râlerait main. Bah ouais, bah c'est là que je vais râler encore plus. Si j'avais dû faire le jeu dès le départ. Parce que je suis pas de mauvaise humeur là pour l'instant, ça va. Mais je suis juste triste.
Parce que qu'est-ce que c'est chiant. On m'a dit que le 2 était mieux, donc j'ai de l'espoir. Oh mais zut, tu peux pas esquiver, y a pas de bouton d'esquive, quand ils te foncent de suite, balance une animation chiante, et puis voilà. Comme ça, c'est réglé. Non, non, ah punaise, mais cours, fais quelque chose, je sais pas. T'as sûrement une action qui peut fonctionner, non? C'est pas croyable, quel point c'est chiant. Ils sont deux fois plus nombreux. Non, non, non. Moi j'aimerais récupérer de la vie si possible là. J'ai le droit ou pas? Est-ce que je peux récupérer de la vie s'il vous plaît? Merci. Les... T'as des mécaniques qui fonctionnent qu'une fois sur 10. En fait, punaise, dégage. C'est bon, Sébastien. Non, c'est pas bon. Le jeu est chiant. Je mets 50 ans à faire une action. Mais zut, mais non, mais non, non! Non, c'est pas juste! Vers la loose et au-delà! Voilà, ça c'est comme ça que ça doit fonctionner. Oh des balles, oh des balles. Reste là, toi, disparais pas s'il te plaît. J'oublie qu'à chaque fois il met 56 ans à mettre une action. Et bien sûr, malgré que le fait que lui soit proche. Ça déclenche pas l'attaque. Ce sera pas long. Continue de me couvrir. Ce sera pas long. Bon, là, oui. T'es l'homme le plus long de l'histoire des longueurs. 300 fails. Mais je sais plus, je crois que c'était Red qui avait parié sur... Mais tout est tellement lent. Alors c'est un jeu d'horreur, c'est fait exprès, hein. C'est lourd, quoi. Viens vite. Puis c'est frustrant de pas pouvoir quoi, ramasser quoi que ce soit, en fait. On va tester. Le 2 a l'air mieux. Apparemment, il est beaucoup plus fluide. Enfin, tout ce que les gens m'ont dit, c'est qu'il était beaucoup plus fluide. Et d'où tu viens, toi? Comment t'as fait pour passer? Zut, le personnage est pas capable d'esquiver, de faire des choses propres. Oh mais zut. Du piège, toi tu les retiens. Ils sont deux fois plus nombreux. Il y a le temps de se plaindre. Non, non, mais sérieusement. Ah, mais c'est tellement chiant. Animation de Schtroumpf.
Oh là là, mais ces animations dégueu qui te prennent deux plombes, tu peux pas faire une seule Vers la action pendant loose qu'il y a et ces au-delà. Animations. C'est lourd, mais au possible. J'ai horreur de ça, quoi. Il te manque la moitié de ton crâne. Tu veux pas mourir, tout simplement, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir. Prochain qui arrive, il se prend une hache. Toi là-bas, t'es la prochaine. Voilà. Je vais pas les retenir bien longtemps. Ce sera ballant. Continue de me couvrir. Ah bah voilà quand ça veut. Ah mais non, mais sérieux, je suis en train d'utiliser une allumette, me fais pas schtroumpf. Et le mec meurt après, il s'écroule tout seul. Attends, j'essaie de me tirer là. Oh là là. Ah là là, qu'est-ce que je râle. Alors, je veux récupérer de la vie. J'aurais dû le faire en facile, le jeu, à la base. J'aurais été plus tranquille. Est-ce que j'ai assez de munitions? Peut-être pas, je sais plus. Bonjour, toi. Et c'est reparti pour un tour. Dans la joie et la bonne humeur. Non, roule pas trop loin, roule pas trop loin. Là, c'est bien. Ouh. T'as fait une connerie, Ti. Bravo. Parce que tu veux trop faire des choses, alors que tu peux rien faire dans ce jeu, c'est frustrant. Faut pas que tu récupères de la vie parce qu'il reste bloqué, il bouge plus. Je m'occupe du piège, toi tu les retiens. Ils sont deux fois plus nombreux. Il y a le temps de te plaindre. Ah mais il a plus d'endurance, c'est vrai. Espèce de schtroumpf, t'es vide. Ah bah le truc a disparu, le truc a disparu. Que du bonheur, je suis coincé dans le décor. Dégage, dégage, dégage. Dégage, dégage, s'il te plaît. Fais ce qu'on te demande. Coucou. Ah ah ah, avec un petit peu de chance, je peux embrouiller deux d'un coup. Là, pareil. Ah, mais toute action demande tellement de temps. Oui, je sais, vous avez déjà entendu cette réflexion des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois. Mais je me répète, parce que je suis pas content. Et si tu rechargeais ton arme un jour? Tu sais que je t'en serais reconnaissant? Bah non. Parce que j'ai voulu récupérer deux munitions. C'est bon, Sébastien. Oui, on se tire. Vas-y. On peut sortir. Non, récupère pas ça, tu vas mourir. Voilà. C'est bon? Oh. Oh. Ah. Je vous dis, en fait, le gameplay est pas si mauvais que ça, c'est que je suis absolument... On fera pas long feu à ce rythme. Il y a un point de sauvegarde. Je pense qu'il vaudrait mieux filer d'ici le plus vite possible. Je tiens à remettre les choses en place encore une fois, je râle beaucoup sur le gameplay. Mais c'est exactement le même principe que pour DMC. C'est-à-dire que je suis incapable de m'adapter à un gameplay. J'arrête, comme on peut le voir, là j'ai fait un effort parce que j'ai essayé de me barrer ou de ramasser les trucs. Mais j'ai qu'une envie, c'est de ramasser les objets qu'il y a au sol, de faire des trucs, des éléments. Et j'aime quand le gameplay me répond au doigt et à l'œil. Et en fait, à chaque animation dans le jeu, elle dure 2-3 secondes. Alors pendant 2-3 secondes, quand vous récupérez de la vie, vous pouvez rien faire. Pendant 2-3 secondes, lorsque vous ramassez un truc, vous pouvez rien faire. C'est même plus de 3 secondes, je pense. Et du coup, les ennemis, pendant ce temps-là, en fait, ils vous foncent dessus. Et le problème, c'est qu'au lieu de pouvoir esquiver, comme on peut le faire par exemple sur un Anteville, ils nous chopent, il y a une cinématique qui se lance, une action qui se lance. Et donc, du coup, pendant quelques secondes, je n'ai plus le contrôle. Et vous le savez, c'est une chose qui, moi, me débecte, m'énerve, m'agace, me rend fou. C'est de ne pas avoir le contrôle dans un jeu. J'ai horreur de ça.
Donc vous allez m'entendre râler en boucle là-dessus. Mais ça veut pas dire encore une fois que c'est mauvais, juste que je suis incapable de m'adapter à ce principe-là de gameplay. Bonjour, vous avez ramassé un fusil de précision. Ouh, je sens que ça va me plaire ça par contre. Donc il est largement possible que le jeu vous l'appréciez vous de votre côté. On va peut-être pas aller plus loin. Non mais j'explique pas mon fail, j'explique le fait que je râle. Et que je m'énerve vite sur le jeu. Combien de temps? Donc faut pas comprendre que j'explique mon fail, j'explique le fait que je m'énerve. Parce que regarde Je vais rester à toi non, sur Star Wars, j'arrêtais pas de mourir. Pourquoi tu t'infliges ça? Parce qu'il y a quand même d'autres choses qui me plaisent dans le jeu, en fait. Un minimum. Et puis je me dis que si je veux faire le 2, faut quand même que je fasse le 1. C'est débile de faire le 2 sans avoir fait le 1. J'aurais bien essayé de recomprendre l'histoire quand même un jour. L'histoire des baignoires. Pourquoi j'ai une vue comme ça? Pourquoi je suis vachement proche du personnage de cette manière? Je suis pas censé être si proche au niveau de la vue. On ouvre lequel? Allez, j'y vais, les yeux fermés. Celui-ci. C'est du vide. Celui-ci. Oh, ça, ça me plaît. Du pognon, du pognon, du pognon. T'as aimé God? Game of Thrones? J'ai pas regardé du tout. J'ai vu aucun épisode. Les gens en ont trop parlé. J'ai pas le temps. Sincèrement, j'ai pas le temps. Si on regarde le timer... Hier, j'ai bossé plus de 10 heures. Total. Donc, on a 10h50 et quelques sur la journée d'hier. Elle était pas pour moi. Ah bon? J'ai pas vu les messages précédents, donc j'étais traité quelque chose, effectivement, pendant que je m'agaçais. Quoi? Je crois que je rate des choses. Par contre, je sais pas s'il y a encore du monde sur YouTube. Si jamais vous êtes sur YouTube et que vous essayez d'écrire et que je vois pas vos commentaires, c'est parce que je les vois vraiment pas. Faut pas chercher plus loin. J'ai 7400 points. Le truc, c'est que je pourrais améliorer ça, mais on améliore à 4 secondes. Il va courir 4 secondes. Waouh! 4 secondes avant de s'arrêter. La question était pour Sakura, d'accord. Efficacité des seringues, ça me plairait bien l'efficacité des seringues par contre. 30 trottes. C'est ridicule, j'ai autant de points pour 2 points de plus quoi. Stock. 10 000. Au pire j'attends les 10 000 comme ça je peux prendre 50 balles. Ça rien, j'y dépense toutes. D'ailleurs pourquoi je tisse pas les grenades? J'ai des grenades, je suis trop nul. Voilà. Hey, faut pas spoiler les gens. Parce que je sais qui meurt, qui vit, qui termine à la fin, mais quand même, ça se dit pas les gens. C'est pas bien. Vous savez que Game of Thrones est quelque chose d'important pour les gens dans la vie. Faut pas spoiler. De quoi? Tu sais, Marinoux, je ne dis rien à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça le fait. Mais de toute façon, si tu peux pas dormir, tu peux pas dormir. Hein. Faut juste espérer que tu arriveras à tenir. Juge-moi.
Perte de contrôle, tu m'étonnes, perte de contrôle totale, oui. Quand on est aussi mauvais. J'ai quasiment plus de balles par contre. J'ai plus de balles, comme a dit Yuni. J'ai envie de chocolat. Qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de chocolat? On prend un carré de chocolat. Oh, on prend la bouffe pleine. Alors, du coup. Faut que je me rappelle que dans mon inventaire, il y a plus de choses que les 4 touches de raccourci. Ça, c'est la console, hein, les raccourcis comme ça. Parce que sur PC, il y en a 50 fois plus des raccourcis. Courage, Marine. Donc, c'est pour le bac? Aucune. Je n'en ai vu absolument aucune. J'ai vraiment quasiment rien vu de Game of Thrones. Mais les gens spoilent tellement dans tous les sens que tu connais déjà plus ou moins l'histoire, tu sais qu'ils arrivent sur le trône très rapidement. Non mais. C'est la musique classique, Marine, que j'arrive jamais à appeler. Apparemment, c'est c'est Debussy, mais je me souviens plus. Braquis, tu triches. Voilà, le truc qui est vachement logique. Vous savez comment il fait un clavier, les touches 1, 2 qui correspondent aux accents 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut voir en bas à gauche, derrière moi, là, ici, là. F1, F2, F3, F4, d'accord? Ok. Maintenant, sachez que pour mettre les raccourcis, il ne faut pas appuyer sur F1, F2, F3, F4. Il faut appuyer sur 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que dans le menu des raccourcis, il faut taper sur 1, 2, 3, 4. Et dans le jeu, il faut taper sur F1, F2, F3, F4. Les mettre virgule, mais je crois que ça marche pas. D'accord. Bah bon courage, écoute. Vraiment, si t'es assez stressé, tu t'en Il y en a iras peut-être pas. d'autres. Ils sont tout cassés. Ah, des potes. Salut. Ah, ils arrivent des deux côtés, les saletés. Fais attention. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a partout, tu veux dire, oui? Ça tombe en ruine ce décor. Il fait peur lui. On tente. Allez, on le tente. Oh! Non, mais fallait pas te retourner. Ah, mais y a lui qui se ramène aussi là, mais zut, Mais zut. Cette galère, ce jeu. Au ventre, bah ouais. À manger du chocolat. Oh, mais y a des gens partout. Ça lui fait des trous dans la tête, mais ça le tue pas. C'est beau, la vie. Non, c'est quoi la touche déjà pour taper? Pas taper. Ah si.
Je vais crever. Je suis pas mort. Oh mais zut, sérieux. Mais il a plus de front le mec. Là qui est tombé. Toi tu sers à rien, on est d'accord hein. Non, je voulais m'en assurer ce coup. Ça a pas brûlé l'autre. C'était pour le plaisir, je suis désolé. Il fallait que je le fasse. C'était nécessaire. On va prendre la hache. Non mais c'est rien, c'est le stress. Laisse couler. J'avais dormi 3 heures la dernière fois que j'avais passé un examen, j'étais vraiment pas bien. J'avoue que l'examen... Oh mais sérieux... Avec un petit peu de chance, t'auras un petit coup d'adrénaline et hop là, ça sera réglé. Je sais même plus ce que je voulais voir. Ah si, il y avait des trucs ici. Là c'est quoi qui a ramassé? Une autre hache... Ça aurait été une quiche qui peut pas courir. Allez hop. Merci pour les munitions, ça me plaît. Tentacule senpai. D'un peu plus si j'ai explosé qu'il fallait, il aurait fallu que je recommence tout le boulot. Vous imaginez? Devoir encore une fois tout se retaper. Des taras de team, imbécile. Attends, tu veux pas viser? Pourquoi tu veux pas viser? Mais tu veux pas le brûler aussi? Baisse-toi! Oh, j'ai eu la chance de pas exploser! Il faut qu'on les détruise toutes pour pouvoir rentrer. Magnifique. Magnifique. J'ai l'impression que ça fait tellement rien tout le temps ces trucs-là. J'aurais mieux fait de la récupérer les trucs avec. Et une hache, ça peut tout servir. Non! Non, mais je suis pas d'accord là, la tronçonneuse. Et je vous dis, c'est un stress à chaque fois. Un stress à chaque seconde, ces explosifs. On est d'accord que j'ai entendu une tronçonneuse? J'ai pas rêvé. Il y a une tronçonneuse dans ce niveau. D'accord, c'est pas bon signe pour moi, ça. Ça, c'est là d'où je viens, mais je voulais voir s'il était là ou pas. Non, c'est mon collègue, ça. Mon collègue est en vie, ok. C'est une bonne nouvelle.
Il y a un canap. Quelle idée. J'ai de rattraper les commentaires qu'éventuellement je pourrais rater. Ah. Encore une histoire de moustache, c'est ça? Je le sens pas. Pas d'heure de piège. Ah, quelques bonus supplémentaires, ça je prends, merci. Donc on a vu qu'il balance des pieux de partout là. Ok, ça pique, alors attendez. Est-ce que je peux? J'ai plus de seringue en plus. Donc ça veut dire prochain coup je meurs quoi. Non, non, non! Il est tellement lent ce truc! Oh là là! On a trop tapé là je crois. Pas ça, toi. Il faut qu'on les détruise toutes pour pouvoir rentrer. Est-ce que j'avais activé tout ce qu'il me fallait? Il me reste une seringue quand même. Il me reste une seringue. Je sais pas. À combien on est au total? Mais c'est sûr, c'est pas 7. Hein. On avait atteint un gros niveau de failure. V. On n'y arrivera pas si on ne détruit pas ces batteries. Ah oh, mais ça les tue pas, mais c'est ridicule, c'est un sniper. C'est un sniper le truc. Ou est-ce que t'as vu qu'un sniper ne faisait absolument aucun dégât? Enfin, pas absolument aucun dégât, ça en a fait, hein, mais... Je trouve pas ça juste, moi. Bon, au moins, on sait où est la dernière sauvegarde. J'ai pas si mal. Yes. Non mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? D'accord qu'on entend une sorte de tronçonneuse là, sur le côté à droite. Je suis pas fou. De quoi? De qui? Attends. Est-ce qu'on peut m'aider? Non. Tu as crevé tout seul. Sexto. Mon téléphone qui met toujours 2 ans à faire des trucs.
Mais j'ai pas suivi. Meilleur fail ever. Non. J'ai activé un moteur, c'est sûr. Je connais pas du tout GT DBZ, de toute façon, donc... Je suis bien incapable de... Enfin, je connais pas du tout aussi, je les ai vus, mais j'ai pas d'avis spécial là-dessus. Hein. En tout cas. Ça, c'est bon. Oh putain, c'est vrai que t'as pas d'endurance, toi. Donc on sait que quand on ouvre, il y a des mecs qui sortent. Ça, on le sait. C'est pas la même chose que je trouve, c'est génial. Il y a un truc là-haut, là. On va aller voir. Je connais pas non plus Berserk. Donc pareil, la question est réglée. C'est mon collègue là que j'ai vu. Non, t'avais qu'à bien jouer. Toi tu viens pas m'aider quand j'en ai besoin. Hein. Et à chaque fois je me fais avoir de la même façon puisque je n'ai toujours pas ce qu'il faut. Il y en a un derrière, il y en a un derrière. Il y en a un derrière. Bien! Eh bah, tu vois que je peux servir à quelque chose? Ah, mais complet, ouais. Ah, j'aimerais bien. Marinox, ça t'aide à t'endormir. C'est pas gagné vu comment je râle, mais ça sera agréable pour moi. On va essayer de récupérer de la vie quand même au cas où. Encore? Mais j'aime quand tu es efficace comme ça. Tiens, pour la peine, je te soigne. Il reste deux endroits là-bas à bousiller. De ce qui sort lui. Tiens, vas-y, occupe-toi-en, s'il te plaît. Pas fini. Laissons l'IA faire le boulot. Des balles de snipe, ça peut toujours servir. Peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils viennent. Sébastien alcoolique? Non. Je sais plus si dans l'histoire il l'est ou pas vraiment. C'est arrêté à 30. Oh, mais d'où est-ce qu'il se ramène cela là? Il me perturbe. Bon. On va tenter le. Alors attends, déjà on va rééquiper ceci. Popo. Ça, j'ai tout le monde. Non. Merci. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer quand même là-dedans? Quelques balles, c'est mieux que rien. Ça aussi, je prends. Je crois que j'ai refait la même chose. Ça a plutôt bien fonctionné la technique là. C'est la chaise porno, oui, qui fait du bruit. Non, Marinox. Normalement, non. Ah, mais en fait, je pourrais en ouvrir qu'un des deux. Voilà, il faut que je retourne lancer le moteur, c'est ça? On a combien? On a 44 minutes. Peut-être faire une coupe de rediffusion à un moment donné. Il n'y a rien là-dedans. Si, faire une coupe de rediff. Mais d'abord, faut que je me rééquipe du sniper. On va recharger. On va essayer d'aller voir là-haut.
Et j'imagine que Danny est juste là. Il y a encore des gens qui vont s'échapper là de tout ça, non? Non, c'est bon. C'est bon, je vais essayer de remettre le moteur en marche pour voir si je peux ouvrir le deuxième mur. Apparemment, faut que j'arrive par là-bas. On n'a plus d'explosifs par ici, c'est bon, c'est bon. On va arrêter de courir parce qu'il peut pas courir, le monsieur. Comme le dit BG, c'est un asthmatique. Ah non, je peux pas le redémarrer une fois que je l'ai... Ok. Et si j'avais ouvert la deuxième porte, ça serait passé quoi? Ah, je suis déçu. C'est bon, j'ai rechargé la partie. Je crois que cette fois-ci, j'ai vu tout le monde. Waouh! Non, non! Oh non, mais non! Quoi faire contre ces persos là? Je t'ai eu ou pas? Ah, je l'ai eu. Eh ben, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Donne-moi plein de points, s'il te plaît. Ouais. Oui, ben, il y en aura d'autres s'ils veulent. Peut-être couper la rediffusion ici, je sais pas. Bon, on a réussi à avancer. On a mis 40 minutes pour refaire un pas, mais on aura avancé. Tu nous dis... Doucement. Oui, mais en général, c'est bien connu que quand t'as le ventre plein, tu t'endors moins facilement. Quand t'es vraiment... Quand t'as bien mangé, quand tu fais un gros repas. Enfin, après, c'est pas parce que tout le monde le dit que... Coucou. Que c'est vrai. Coucou, Julie. Comment vas-tu? Alors, on va partir par là-bas. Faudrait que je coupe la rediffusion, peut-être avant, non? Le décor est quand même joli. Vraiment, ce jeu a ça pour lui, c'est qu'il a quand même une bonne ambiance au niveau du décor. Quelque chose de bien qui en ressort à ce niveau-là. Il va y avoir une cinématique ou pas? L'ascenseur est au dernier étage. Trouvons un autre moyen de monter. Ça valait vachement le coup d'avoir un ascenseur. Il y a une salle de sauvegarde, on va pouvoir faire la pause de rediffusion là. Je vais bien, je te remercie. Alors voilà ce qui bloquait. Et là, il m'oblige à enflammer, et si j'ai pas de limites, peut-être qu'ils vont mettre ici. Un nouveau journal. Oh, mais c'est vrai quoi. Pff, ils disent une molette faire défiler, mais la molette elle marche pas sur le jeu. Bon, ça va aller alors, c'est un yaourt à morceau de pain. Il y aura pas de soucis. Tu m'as donné faim d'ailleurs, j'ai envie de parler maintenant. Cela fait 8 mois que Mira et moi sommes mariés et tu es le fruit de notre amour, ma petite Lily. J'ai hâte de faire enfin ta connaissance dans 2 mois. Même si je dois reconnaître que j'ai un peu peur, j'ai bravé bien les dangers dans l'exercice de mes fonctions, mais je suis terrifié de devenir père. Je promets de t'aimer et de te protéger de toutes mes forces tant que je serai de ce monde. Comme pour toute nouvelle tâche. Le problème, c'est qu'on peut pas lire la fin parce que faudrait que je branche la manette, que j'allume la manette, et après on va zapper continuellement de la manette au clavier, ça va être chiant. Je crois qu'une raclette, moi, ça me tente très bien, là.
Et la raclette finesse, c'est vrai que ça donne faim. Ah, j'ai pas encore assez. Par contre, c'est extrêmement désagréable l'effet ça là. Le truc d'avoir le machin qui clignote. Ça veut rien dire le truc d'avoir le machin qui clignote. On le sait, mais vous avez compris en regardant l'écran. Je sais plus à quoi je pensais. Il y a 2 secondes, je pensais à un truc et j'ai oublié. Je me suis dit, il faut que tu fasses ça et j'ai oublié entre temps. Alors attendez. Pas ça, pas ça. Faire un pour l'autre, faire ton affaire pour mieux dormir. Ça marche pas pour tout le monde, ça aussi. Et là, chez qui ça fonctionne, d'autres pas du tout. C'était... Ah si, je voulais vérifier, c'est le... Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Le Viewer Rewards est KO. On remerciera encore Bottissimo de faire un service qui fonctionne qu'à demi. Voilà, c'est bon. Il s'est remis en marche. C'est triste de devoir à chaque fois vérifier qu'il s'est bien relancé, tout ça. Donc, coupure de rediffusion, ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il arrive, coupure de rediffusion. J'espère quand même que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la rediffusion suivante et la suite du live. Merci à vous tous encore une fois. A tout de suite. Pum 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 p